t'a pris, espèce de sale tortionnaire d'animaux. Quoi? Voilà, je suis le roi Maud et je... Et traumatiser les pauvres innocentes créatures du marais est en haut de ta liste de crimes à commettre en tant que tyran? Quoi? Je te demande pardon? Je ne suis pas... J'essayais seulement de m'excuser auprès de ça. Eh bien non, je ne m'abaisserai pas à le faire. Évidemment. Oh, quelle adorable petite grenouille. Elle est des tas de choses, mais de là à dire qu'elle est adorable, c'est aller un peu trop loin. Écoute, tout ce que nous voulons faire, c'est... Trouver une licorne très timide qui se cache dans le marais. Désolée, je ne vais jamais de ce côté-là. Autrement dit, je n'ai pas vu de licorne timide, ni de licorne qui chante, ou de licorne qui fait des sauts périlleux arrière. D'ailleurs, je ne croise pas beaucoup d'amis non plus. Vous savez à quel point ils peuvent être casse-pieds. Alors, Votre Altesse Monsieur le Roi, si vous n'avez rien à ajouter, j'ai une grenouille à raccompagner. Wow, tu parles d'une tête de pioche. Oui, moi aussi, je t'adore. Je suis certain que Mademoiselle la fée des grenouilles pensait exactement ce qu'elle a dit. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est pas elle la menteuse. Donc nous n'avons plus besoin de lui adresser la parole. À vrai dire, j'ai peur que si. J'ai remarqué qu'elle avait des fleurs de mimola dans les cheveux comme la licorne timide sur les dessins de Cookie. Et elle avait aussi des traces de boue toutes fraîches sur les pieds alors qu'elle nous a affirmé qu'elle n'allait jamais dans le marais. Dans lequel elle vient comme par hasard de disparaître. Je pense qu'on a trouvé notre menteuse. Il ne manque pas d'air ces faux membres de la famille royale très fiers de leur petit groupe. Je me demande ce qu'il voulait en réalité. Continuons par là, elle peut pas être bien loin. Qu'est-ce qu'ils sont, fouineurs? Pourquoi ils ne veulent pas nous ficher la paix, franchement? Pourquoi tous les recoins de ce marais se ressemblent autant? Ça suffit, les enquiquineurs royaux. Je vais vous guider hors de mon marais et vous allez me suivre. C'est clair? Parfait. Ton marais? Au fait, comment tu t'appelles? C'est Lola. S'il te plaît, Lola, nous pensons que la licorne timide se cache dans les massifs de Mimola. De Mimola? Non, je n'en ai pas vu depuis une éternité. Tu en es sûre? Parce que tu en as plein les cheveux. Non, c'est vrai? Eh bien, c'est un cadeau d'une amie. D'une amie qui... vous la trouverez au village. Toi, tu as des amis?